Salut le centre Martin Luther King, c'est Joël. Vous allez regarder La Pensée du jour par Norbert Garcia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, notre lecture du jour va nous amener à Capernaum et plus particulièrement dans la synagogue de Capernaum. Alors aujourd'hui, si on va en Israël, on peut visiter le site de Capernaum. C'est devenu un parc archéologique et au milieu de ces vestiges, de ces ruines, on y trouve encore une synagogue. Alors, non pas celle que Jésus a fréquentée, mais une plus récente qui date du deuxième siècle après Jésus-Christ, qui a été bâtie sur les ruines de celle que Jésus a fréquentée. On y trouve aussi, dans ce parc archéologique, la maison de la belle-mère de Pierre. À l'époque de Jésus, Capernaum était un gros village, une ville prospère, centrée essentiellement sur la pêche, situé au bord du lac de Galilée, voilà. Donc nous allons lire le chapitre 1, la suite, donc les versets 21 à 32 de l'évangile de Marc. Ils se rendirent à Capernaum, il, Jésus et ses disciples, les quatre qu'il vient d'appeler. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Voilà, nous allons nous arrêter là. Comme d'habitude, nous allons prendre un ou deux thèmes. Je ne vais pas décrire le texte de manière exhaustive et en parler de manière exhaustive. J'en serai pas capable, mais juste partager quelques petites pensées. Voilà, donc c'est le jour du Shabbat, c'est-à-dire le jour du repos, qui commence le vendredi soir et qui se termine le lendemain, le samedi soir, au moment de l'apparition des premières étoiles. Dans le texte que nous avons lu, il y a deux choses qui sont remarquables. Qui se dégage du texte. Une double répétition. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça m'a sauté aux yeux. Première répétition. Les gens sont stupéfaits au sujet de Jésus. Regardez le verset 22. Ils étaient frappés, c'est-à-dire étonnés grandement. Et puis, pratiquement, une quasi-répétition au verset 27. Ils furent saisis de stupéfaction. Et les deux verbes en grec sont synonymes, n'est-ce pas? Ça, c'est la première répétition. Et la seconde répétition concerne l'autorité de Jésus. Les gens de Capernaum sont étonnés, stupéfaits de quoi? Un, ils sont étonnés de l'autorité de son enseignement. Et deux, de son autorité sur les esprits impurs. Alors, je vous propose simplement de regarder ces deux affirmations du texte que nous venons de lire. Premièrement, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alors, je pense à plusieurs choses. Premièrement, quand les scribes parlaient, ils se plaçaient sous le couvert de maître antérieur.
Jésus, lui, il parle de lui-même. Il n'a pas d'autre référence que lui-même, ou alors son Père. Par exemple, sur le serment de la montagne, dans le serment de la montagne, que l'on trouve dans les chapitres 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu, Jésus va répéter un petit peu cette formule. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Hein? Alors, Jésus ne fait pas référence à d'autres que lui-même, parce que lui-même est la parole de Dieu. Alors, vous vous rappelez certainement du verset 1 du chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Il nous est dit ceci, « Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. » Alors certains font autorité ou sont des autorités en ce qui concerne la théologie ou la connaissance de la Bible. Mais à la différence, Jésus n'est pas un expert de la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Quand quelqu'un prêche ou enseigne ou simplement partage, on ne dit pas que c'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche, on ne dit pas qu'il est la source de la parole de Dieu. Quand quelqu'un prêche, enseigne ou partage, ce qu'il fait, c'est plutôt qu'il proclame ou qu'il annonce la parole, et une parole qui ne vient pas de lui. Le prédicateur, le témoin, est en quelque sorte un répétiteur de la parole de Dieu, qu'il a reçue lui-même, dont il a été au bénéfice, et dont il témoigne. Donc voilà, parler avec autorité à la manière de Jésus, parce que Jésus lui-même est la parole de Dieu. Deuxièmement, lorsque Jésus parlait, lorsque Jésus enseignait, les gens s'apercevaient de quelque chose de différent. La parole de Jésus faisait naître en eux la vie, l'espérance et la grâce. Cette parole qui a créé l'univers crée des cœurs nouveaux pour ceux qui la reçoivent. Jésus va comparer la parole de Dieu à une semence. La parole de Jésus est une semence. Elle est semence de vie. Et Pierre va lui dire à un moment donné, « Seigneur, à qui d'autrions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Lorsque Jésus enseignait, ce n'était pas vide et creux. Cela suscitait la grâce, cela suscitait la vie, cela suscitait l'étonnement. Troisièmement, les scribes pouvaient enseigner quelque chose et ne pas pratiquer cette chose qu'ils enseignaient. Ils pouvaient avoir un décalage entre la parole et les actes. Ainsi, reproche de Jésus aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu 23 et verset 2, Jésus dit « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. » En Jésus, il n'y a pas de décalage entre la parole et les actes. Alors on pourrait regarder encore d'autres raisons pour lesquelles Jésus enseignait avec autorité. Jésus enseignait avec des paroles simples, avec des images et des illustrations tirées de la vie toute simple que les gens pouvaient comprendre. Alors une petite histoire, j'ai lu dernièrement, je ne sais plus où, exactement une histoire au sujet d'un prédicateur célèbre. Quelqu'un vient voir ce prédicateur après son serment et lui dit « Certainement, monsieur, vous n'êtes pas un grand prédicateur. » Le fameux prédicateur, qui était pourtant un très bon prédicateur, lui dit modestement « Oh, je sais que je ne suis pas un grand prédicateur, mais pourquoi est-ce que vous me dites cela ?» Et le gars lui répond « Parce que j'ai tout compris ce que vous avez dit. » Voilà. Donc Jésus parle avec des mots simples. Il y a des gens qui en jettent parce qu'ils parlent de choses élevées dont on ne comprend rien. Mais Jésus avait un enseignement à la portée des gens les plus simples. Ce qui était beaucoup plus compliqué et plus difficile, c'était les implications et les réponses que l'enseignement de Jésus suscitait et nécessitait. Parce que lorsque Jésus parlait, Jésus attendait une réponse. Voilà donc des raisons pour lesquelles les gens dans cette synagogue à Capernaum étaient frappés par son enseignement. Ils parlaient de manière différente. Les gens dans la synagogue de Capernaum avaient l'habitude des scribes et des pharisiens,
mais lorsque Jésus parlait, il servait un accent tout à fait différent. Alors regardons maintenant la seconde affirmation. Les gens sont stupéfaits car ils commandent avec autorité aux esprits impurs et lui obéissent. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette synagogue? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette synagogue? Jésus entre dans la synagogue. Alors vous savez, la synagogue, c'était le lieu de rassemblement de la communauté juive du temps de l'exil. Et quand les juifs sont revenus de l'exil, ils ont conservé cette habitude de se rassembler pour la prière et pour l'étude de la Torah. Il n'y avait pas, c'était pas un lieu de sacrifice, hein. Le lieu de sacrifice c'était le temple à Jérusalem, n'est-ce pas? Mais par contre, dans chaque ville d'importance, il y avait une, voire des synagogues, voilà, et dans lesquelles les gens se rassemblaient pour prier et étudier. Jésus avait l'habitude d'entrer dans la synagogue les jours du Shabbat. Il nous est rapporté dans un évangile. Les apôtres, lorsqu'ils ont commencé leur prédication, ont prêché dans les synagogues. Les synagogues ont été un facteur déterminant pour l'annonce et la propagation de l'évangile. Bon, bref, la synagogue était censée être un lieu de lumière. Mais quand Jésus entre dans la synagogue, c'est comme si c'était la véritable lumière qui entre et qui paraît dans la synagogue. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la véritable lumière apparaît? Eh bien, un, les ténèbres sont révélées, et deux, les ténèbres sont chassées. Voilà, lorsque la lumière vient, les ténèbres sont chassées. Jésus s'est confronté avec le diable lors de la tentation dans le désert. Jésus se confronte avec le règne de l'adversaire. Il chasse les démons, il guérit les malades, il montre ainsi sa détermination et son autorité de sauveur et seigneur. Lorsqu'on vient lui demander à Jésus quel était le signe de sa venue et de son autorité, il disait « Voici, je chasse les démons et je guéris les aveugles et les sourds entendre et les aveugles voir. Hein. » Donc je ne vais pas m'étendre plus longuement là-dessus, mais juste te rappeler ce matin, cette parole de notre Seigneur, cette pensée pour toi aujourd'hui, que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Voilà, cher ami. Chers frères, chères sœurs, une pensée pour toi aujourd'hui. Le bon berger a donné sa vie pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.